perdu. Voilà, Cole Cormier qui remet devant lui pour savoir en pleine vitesse, s'amène chez les Tigres, stoppé par Prichepov qui va d'une courte remise. C'est bien fait pour Gorgonov dans l'aile pour Saint-Onge. Il s'est distancé, coupe devant le filet, et voilà le but! Mathieu Saint-Onge, les Tigres prennent les devants 1-0. Oh, en voulant ramener la rondelle là sur son bâton, en fait. Elle a échappé au gardien Francesco Lapena. Il glisse entre ses jambières. Il y a eu une ouverture en zone neutre. Relance rapide de l'attaque de la part des Tigres. C'est Gorgonov, je crois, qui a remis à Saint-Onge rapidement dans l'aile. Mathieu Saint-Onge connaît des bons moments dans les derniers matchs. Il utilise sa vitesse à profusion. Et c'est ce qui permet aux Tigres de prendre les devants 1-0. Je ne suis pas certain que c'était le jeu initial qu'il voulait faire. Il a finalement transporté la rondelle tout simplement du revers entre les jambières de Lapena. Mathieu tente de remettre de l'autre côté, mais Boutin a bien joué et tiré le bâton pour le faire perdre. C'est Lavigne qui se retrouve avec une rondelle libre derrière le filet. A tenté de remettre devant. C'est raté. Lavigne reprend. Lavigne se lance. Et voilà le but! Maël Lavigne! Les tirs, on est devant 2-0! En se retournant, Maël Lavigne surprend le gardien Lapena. Il y avait peut-être de la circulation devant le gardien des Olympiques. Bon travail pour récupérer des rondelles, zone offensive de la part des Tigres. Et là, actuellement, tout ce qu'on lance au filet entre un deuxième tir seulement dans le match, un deuxième but pour les Félins. Maël Lavigne marque son 7e de la saison. Et c'en est un autre qui connaît un départ fulgurant avec les Tigres. Oui, depuis son arrivée, ouais. Il est extraordinaire. Il utilise sa longue portée. Et tellement bien qu'on l'a muté sur la première unité ce soir-là. Gendron est blessé, il faut le mentionner. Ouais. Justin Gendron. Voilà l'entrée de territoire qui est refusée aux Olympiques. Effleurée par Lavigne et Pellerin reprend pour Cormier, pour Lavigne. Lavigne, ça mène en plein centre. Une feinte en entrée de territoire. Belle remise pour Benzil. Benzil accroché, son tir. La rondelle est dans le demi-cercle. Et Lapena qui fait un arrêt. Warren colle la rondelle contre la rampe. Ça ressort faiblement. Récupéré par les Olympiques qui dégagent. Ça rejoint Ratt. Là, va s'amener à un contre un face à Roy. Ratt dans l'aile. Son tir. Oh. Voilà le but. Colin Ratt qui marque. Oh! Les Olympiques réduisent l'écart en désavantage numérique, c'est 2-1. Ouais, on n'a pas été très bon là, sur la dernière séquence en avantage numérique. Les Olympiques ont pu quitter le territoire aisément et sur le tir de Ratt, j'ai l'impression que Darvaux attendait la rondelle à sa gauche. Ouais. Il est arrivé à sa droite, là, du côté rapproché. Il a été complètement surpris par ce tir. Et 2-1, le pointage. On amène la rondelle rapidement chez les Tigres, mais le jeu est intercepté par Blouin qui tente une bombe vers Veillette. Veillette s'amène dans l'aile, il est rejoint par Boutin, le tir de Veillette, poteau. Touche de poteau! Cette chance ratée par Veillette, il s'est amené en échappée, mais c'était court, cool, il avait de la pression. Rapidement sur lui, il était dans l'aile, tir du côté du bouclier qui a touché le poteau de plein fouet. Il s'en est fallu de peu pour que les Tigres ajoutent à leur avance. Sortie facile qui s'annonçait pour les Tigres, là, et on c'est compliqué. Voilà les Olympiques, toujours en contrôle. Remise à la pointe. Le tir, La tire joueur vers lui, laisse à Veillette, mais la remise de Veillette directement sur un adversaire. Bon, attention. Et attention, c'est Cole Cormier qui s'amène dans l'aile. Rattrapé par Yacetza. Tire, belle arrête. Tire de loin, rondelle qui est balayée dans le coin par Lapena. Voilà Prichepov. En bataille, dans le coin. Prichepov ressort avec la rondelle. Remise. Ben voilà le but. La rondelle qui a dévié. Prichepov. Et les Tigres font 3-1 en début de période. Un gros but marqué par les Tigres, un peu chanceux. On était dans le coin de la patinoire, on a tenté d'envoyer une rondelle au filet. Ça a dévié, comme tu le mentionnes, pour battre Francesco Lapena. On n'a vraiment pas joué de chance chez les Olympiques sur cette séquence. 19-07, on revoit la reprise. Ouais, ça... Ouf. Je crois que ça a touché le défenseur, hein? J'ai hâte de revoir là, derrière le filet, mais je crois que oui. On va revoir, là. C'est Béliveau, je crois qu'il a fait dévier. Ça a dévié sur l'autre défenseur. Ouais, c'est l'épaule de Benzil. Voilà, Péroy qui reprend. Laisse derrière pour Benzil. Attention, rondelle qui est perdue. Tiens, pour partant d'Olivier Nadeau. Arrête Darvaux. Luneau qui va te lancer. Dévie le retour dans la mitaine de Darvaux. C'est Larose qui est mise en échec. Et les Olympiques reprennent. McDonald sur le flanc droit. McDonald. Ça avance. Veut couper vers l'enclave. Son tir, voilà le but. Une belle poussée de McDonald qui a coupé devant les défenseurs et tiré du côté du bloqueur. Et les Olympiques réduisent l'écart, c'est 3-2. Oh, je ne voulais pas être prophète de malheur, mais on se rapproche. Là. Il reste beaucoup de temps au cadran du côté des Olympiques. Belle pièce de jeu individuelle de Cam McDonald. On voit la reprise ici à l'écran. Il était de son revers dans l'aile, a coupé
au centre. On lui a laissé l'espace. On ne l'a pas menotté. Et il vient prendre. Remise dans l'enclave, c'est intercepté. Voilà, pris chez Paul. Il passe sur sa droite à Saint-Onge. Saint-Onge en vitesse, territoire adverse. Mise en échec par Boutin. Laisse à Gorionov. Coupe devant le filet. Gorionov sorti. Oh! Quel arrêt de la pénale. Oh, ça, c'est tout un arrêt. Des Olympiques. Oui, exactement. D'ailleurs, dans le circuit, on a franchi la dizaine. À Québec, les Remparts mènent 10-2 en début de troisième période sur le Drakkar de Baie-Comeau. On voit la reprise ici de l'entrée. C'est gentil, puis si vous gagnez. Non. Si on ne joue pas trop de bonheur le lendemain matin. Oui, c'est surtout ça, je pense. Voilà Brunet. Longue remise vers le centre pour Tommy Cormier. Ouais. Cormier, c'est l'effet de Boutin qui avait chuté. Deux contre les tirs. Cormier, sorti. Et voilà le but. Tommy Cormier. Gros, gros but de Cormier. Il a été patient. Et le temps d'arrêt de Karl Mallette a été payant. On a hérité d'une rondelle en zone neutre, deux contre un. Il a gardé la rondelle tout au long de la séquence, mais regardait pour faire la passe à sa gauche et bat finalement Francesco Lapena du côté du bouclier. Ça, c'est tout un but marqué par Tommy Cormier. Et Olivier Boutin a retraité au vestiaire. Là. Je pense qu'il y a un bris d'équipement, peut-être un problème avec une lame de patin. C'est la raison pour laquelle il a perdu pied au centre. On a et Olivier Nadeau. Les enjeux qui sont apportés par les Olympiques. Mais attention, c'est Saint-Onge qui est venu soutirer la rondelle à Maisonneuve. Ça mène à 3 contre 1. Remise, prise chez Paul, sortir dans la cave. Belle arrêt de la pénale oh oui. Du bout de la jambière. C'est du hockey junior, on l'a déjà vu, Pascal. Ouais. Les enjeux qui sont repris par les Tigres. Un dégagement qui travaille à l'autre bout. Ça glisse vers le filet. Ouais, et voilà. Voilà le but. C'est Alexandre Nadeau qui marque. 5 à 2. Le but qui viendra vraisemblablement confirmer cette victoire au Tigre. Les enjeux qui ont été remportés par les Olympiques, mais Nadeau s'est amené pour aller reprendre la rondelle. Ouais, il a mis rapidement de la pression et cette rondelle a glissé tout doucement dans le filet. Un tir du revers de sa zone. La rondelle qui glisse tout doucement dans le filet.